Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais seigneurs, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. J'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi.